Ça a toujours été un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission Espace Santé. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une dame, une étudiante en troisième cycle, en même temps assistante à l'Université de Kinshasa dans la faculté des sciences politiques et administratives. Avec elle, nous allons parler de ses ambitions par rapport d'abord à son domaine politique et en même temps en rapport avec la santé, parce qu'elle est membre d'une ASBEL qui s'occupe des enfants trisomiques. Vous savez que la trisomie, c'est une maladie qui affecte beaucoup de personnes, mais une maladie très peu connue, on n'en parlait pas. En même temps aussi, pour que nous puissions être en bonne santé, il ne fallait pas avoir seulement des médicaments à gogo, mais la nourriture également, parce que cette bonne santé passe également par la nourriture. Un pharmacien d'ailleurs me disait, le premier traitement pour l'homme, c'est la nourriture. Raison pour laquelle notre invitée, elle aussi, veut se lancer aussi dans cette recherche, dans ce domaine-là, de l'agriculture pour le bien de la population cambienne, même qu'elle soit politologue de formation. Nous recevons donc Madame Grace Paula. J'ai déjà dit que vous êtes assistante à l'Université de Kinshasa, étudiante en troisième cycle. D'entrée de jeu, commençons d'abord par la trisomie. Votre ASBEL qui s'occupe de la trisomie, trisomique homme. En réalité, vous vous intéressez vraiment à quoi? Quel est votre champ d'action? Merci. Premièrement, j'aimerais commencer par définir cette maladie ou cette anomalie qui s'appelle trisomie. On appelle trisomie 21. Donc, la trisomie, c'est-à-dire lorsque le parent veut avoir un enfant, toute personne a 46 chromosomes. Mais chez les enfants trisomiques, chez deux personnes trisomiques, ils ont 47 chromosomes, c'est-à-dire la 21e paire de chromosomes. Sur la 21e paire de chromosomes s'ajoute une paire, un chromosome, donc qui fait 47 chromosomes au total. Voilà pourquoi on l'appelle trisomie 21, en raison de ces 20 plus un chromosome, plus une chromosome. Donc c'est un peu ça. Et la trisomique homme, qui veut dire la maison de trisomique, s'occupe de bien-être de trisomique, parce qu'aujourd'hui nous remarquons que ces enfants sont marginalisés, ces enfants ne sont pas pris en compte par rapport à leur anomalie. D'autres les considèrent même comme étant de sorciers par rapport à leur malformation du visage. Alors nous sommes là pour valoriser ce que ces enfants savent faire, pour aider ces enfants à vivre librement avec d'autres enfants et à étudier comme ils se doivent. Donc c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Je l'ai dit aussi au début de l'émission. C'est une maladie très peu connue, une malformation chromosomique. Mais alors, vous avez dit qu'ils ont une certaine déformation au niveau du visage, par exemple. Alors si vous pouvez expliquer un peu à l'intention de nos téléspectateurs, comment est-ce qu'on peut reconnaître un enfant ou un homme trisomique? Bon, on peut reconnaître un enfant trisomique. Souvent, ils ont des petits yeux. Souvent, ils ont vraiment, quand vous les regardez, vous sentez qu'il y a une malformation au niveau des yeux, au niveau du nez et même de la bouche. Vous sentez que la bouche est un peu à côté. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que vous allez savoir. En lingala, ils appellent comment? Les bisengues, c'est ça? Non, ils ne sont pas vraiment, ils sont pas les bisengues parce qu'ils ont toutes leurs facultés. Mmh. Ils savent réfléchir, ils savent parler. Mmh. Donc, ils ne sont pas les bisengues. Mmh. Donc, c'est juste une anomalie génétique. Vraiment, au-delà d'être une maladie, pas vraiment une maladie, mais c'est une anomalie génétique. Donc, ils ont droit aussi de faire ce qu'ils peuvent faire. Ils sont intelligents, ils peuvent aussi montrer leur savoir-faire, au fait. Mm-hmm. Est-ce qu'ils sont facilement acceptés dans la société? C'est un peu difficile parce que d'autres, lorsqu'ils voient cette transformation, cette malformation, les considèrent de sorciers et d'autres se moquent d'eux. Donc c'est vraiment difficile. Voilà pourquoi nous luttons à ce qu'ils puissent être acceptés vraiment dans la société pour le bien-être de tous.
Grâce Paula, visiblement, est jeune et en même temps politologue de formation. Alors, finalement, quel intérêt vous avez à vous lancer vous-même et votre ONG dans l'encadrement, finalement, de personnes trisomiques? Parce que cette nation a besoin de savoir-faire. Et ses enfants sont aussi, peuvent aussi apporter quelque chose, une pierre dans la construction de notre pays. Donc voilà pourquoi nous nous lançons, parce que nous comptons et nous savons qu'un jour, ils seront de grands hommes aussi qui peuvent contribuer pour le développement de ces pays. Alors qu'est-ce que vous faites exactement avec l'encadrement, là, ça se situe à quel niveau? Vous faites quoi exactement? Bon. Souvent, on contacte le parent, on prend en charge le parent, par exemple, concernant leur scolarité, mais aussi, on fournit quand même des efforts par nos moyens de bord pour essayer de donner de formation en peinture. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes là près d'eux pour le consoler, le soulager, pour leur apprendre à se relever. Donc, c'est un peu ça. Mm-hmm. Alors, quand vous intitulez, vous nommez votre Asbel enfant, non, trisomique, homme, c'est-à-dire que vous les hébergez chez vous ou bien vous les suivez seulement à distance? C'est juste pour montrer qu'ils sont le bienvenu. Donc, trisomique, homme. Homme en anglais qui veut dire maison. Nous voulons juste dire qu'ils sont le bienvenu et chez nous. Donc, nous les accueillons à bras ouverts. Donc, c'est un peu ça. Pour l'instant, vu que nous travaillons, comme j'ai dit, avec nos moyens de bord, nous n'avons pas vraiment où le recevoir, mais nous allons où ils sont logés. Mais à la longue, dans un projet à long terme, nous croyons que nous allons avoir de places où nous pouvons les former comme ici doit. Mmh. Donc, voilà. J'ai l'impression que vous êtes à Kinshasa. D'ici là, je pense, dans quelques semaines, nous serons aussi à Matadi. Mm-hmm. Et ici à Matadi, vous avez déjà identifié ces enfants-là? Je pense que pas encore, mais nous serons là pour la sortie officielle et nous serons en train de contacter quelques familles ou des associations qui s'occupent des enfants trisomiques pour essayer de mieux travailler ici. Mm-hmm. Alors, de la science politique... à la recherche d'encadrement des enfants trisomiques. Hein? Pourquoi ça? Bon, parce que normalement, une personne ne peut gérer que lorsqu'il est en bonne santé. Mm-hmm. D'où, lorsqu'on dit que la politique est l'art de gérer des affaires publiques, nous ne voyons pas un malade qui gère, mais nous voyons une personne en bonne santé. Donc, il y a une relation entre la politique et la santé, parce que sans une personne en bonne santé, il n'y aura pas une bonne gérance. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. Voilà. Grâce Paula, au-delà donc de la trisomie, vous vous intéressez également à l'agriculture. Mais avant d'entrer justement dans l'agriculture, parce que vous faites vos recherches en tant que politologue dans ces domaines-là, je voudrais encore qu'on puisse dire un petit mot par rapport à cette trisomie 21. Dites-moi un peu, dans vos recherches, qu'est-ce qu'il est dit? Que cette anomalie peut être curable ou comment? Bon, ce qui est sûr, il y a quand même de soins. Il y a quand même de soins qui peuvent être donnés par des enfants, bien que cette anomalie apporte quand même de retard, vous voyez, d'intelligence et tout, mais il y a quand même des gens qui peuvent soigner, qui peuvent essayer d'apporter un changement. On vit que ces enfants puissent, ou ce jeune puisse faire quand même quelque chose et apporter quand même quelque chose dans leur vie. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Alors, maintenant, parlons un peu de votre projet. Vous avez un projet agricole. Hein? Essayez un peu de nous en dire un peu plus. C'est la part d'un fait. J'ai remarqué que plusieurs personnes, surtout les jeunes ou les enfants qui étudient, qui vivent chez leurs parents, ne considèrent pas le domaine tel que l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ce n'est pas vraiment mis en exergue. Alors, vu cela, je me suis dit, mais pourquoi pas aussi essayer avec ces enfants ou ces jeunes qui vivent dans la rue, qui ne peuvent pas seulement étudier, parce que ce n'est pas seulement les études ou le diplôme, mais c'est aussi
une personne qui est apte à faire, à pratiquer, à faire un travail, par exemple la pêche, l'élevage, l'agriculture. Ça aussi, c'est un travail. Ça aussi, on a besoin de ça pour le développement de notre nation. Donc voilà pourquoi je me suis dit, je voudrais plus me lancer dans l'encadrement de jeunes de la rue qui sont seuls, qui ne savent pas quoi faire, envie de leur apprendre l'agriculture, la pêche et l'élevage. Bon, c'est là quand même, c'est un projet à long terme. On va essayer par le moyen de bord, mais aussi nous comptons construire, pourquoi pas, les internats dans les milieux ruraux pour apprendre ces enfants et que demain ils puissent être aussi utiles à la société. Donc voilà. À votre avis, vous pensez que ces enfants ne sont pas utiles? À mon avis, ces enfants, la force d'une population, la force d'une nation, c'est la jeunesse consciente. Alors, ces enfants sont dehors, ils sont presque abandonnés, ils sont entre eux, ils peuvent faire beaucoup de mal. S'il y a aujourd'hui des vols, s'il y a aujourd'hui de l'insécurité, c'est parce qu'ils ne sont pas encadrés. Ils ne sont pas vraiment encadrés. Mais dès lors qu'ils ont une formation qu'ils peuvent suivre, ils peuvent aussi, bien que maintenant ils sont importants, parce que tout enfant est une bénédiction, qu'ils vivent dans la rue ou qu'ils vivent partout, c'est une bénédiction, mais aussi il faut ajouter une valeur sur ce qu'ils ont pour qu'ils puissent vraiment être ce que notre pays veut et qu'ils puissent apporter le développement de notre nation. Alors vous parlez en termes d'un projet à long terme, mais pourquoi vous évoquez ça aujourd'hui? Parce que le futur c'est aujourd'hui, le futur se prépare aujourd'hui. Pour faire des choses demain, il faut le préparer aujourd'hui. Donc avec le peu que nous avons, je pense que nous commençons déjà à voir si nous pouvons déjà encadrer quelques enfants par ce moyen que nous avons, d'abord nous-mêmes, et à la longue, nous pensons qu'avec l'appui du gouvernement, avec l'appui, parce que ce n'est pas seulement le gouvernement, ce n'est pas seulement l'État, mais c'est aussi les privés qui doivent apporter le soutien à l'État pour qu'ensemble, ils puissent avoir développement. Quand nous, on grandissait, on nous disait que tous ces jeunes, à l'époque, on appelait moineaux, hein, on les appelait d'abord moineaux, ça a évolué, les chèques qui sont arrivés, les Kuruna, tout ça. Alors, on disait que c'était des bombes à retardement. Pour vous, en tant que politologue, est-ce que cette bombe a déjà explosé ou bien nous continuons à amasser des bombes? C'est pourquoi vous voulez déjà les désamorcer avec les projets que vous mettez en place. Bon, ce qui est sûr, je me rappelle encore de mon professeur, bienvenue Mushikiwa, qui a parlé aussi des enfants. Lui, il a dit que la bombe a déjà éclaté. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons des insécurités. Nous remarquons, parce que quand vous allez dans des rues, vous remarquez qu'il y a même des enfants qui ont grandi, qui sont devenus pères dans la rue et qui ont encore des enfants. Et d'autres même qui sont appelés Coco. Donc, il y a déjà une génération qui est en train de se produire. Alors, pour arrêter cela, il faudrait que cela change maintenant. Donc. Et dans votre projet-là, vous voulez vous intéresser à quel type de culture? Je voudrais plus me lancer dans, vous voyez, par exemple, si, pourquoi pas produire des ananas, pourquoi pas produire de fruits, et puis après, pourquoi pas être dans la transformation aussi, et produire des jus naturels faits par ces enfants qui sont dans la rue. Donc ça sera vraiment un réel plaisir aussi. Donc c'est un peu ça, petit à petit, nous allons avancer et voir comment est-ce que l'avenir va nous... sourire. Et vous vous intéressez à quelle tranche d'âge? Pour ces enfants qui ne sont pas... parce que tout enfant qui est dans la rue, par exemple, je pense 13 ans, jusqu'à aller, je ne sais pas à quel âge, parce qu'ils sont même là, 25 ans, 30 ans, ils sont là. Mais en bas de 15 ans, je pense qu'il y a d'autres qui ne sont pas vraiment aptes à aller à l'école et qui peuvent facilement apprendre ces métiers. Bien qu'ils, quand même, ces enfants auront aussi des notions élémentaires en français ou en mathématiques, mais c'est mieux qu'ils puissent faire ce qui est pratique pour leur évolution et développement. Grâce à Paula, est-ce que vous pensez que vous allez vous en sortir facilement lorsqu'on sait que une génération en République d'Antilles du Congo, dont vous faites partie certainement, veut le gain facile, puis les gains rapides.
Alors, l'agriculture, ça prend 2 mois. Hein? Il y a des cultures qui prennent 3 mois, d'autres 6 mois. Les manioc, par exemple, 6 mois, une année, parfois même une année, nous, 2 ans. Alors, quels sont les mécanismes que vous voulez mettre en place pour assurer d'abord la patience de candidats que vous allez prendre jusqu'à ce qu'ils vont récolter le fruit? Bon, nous pensons que nous allons. En fait, lorsque nous avons parlé de l'agriculture, c'est vraiment ça le projet phare. Mais en attendant tout cela, nous comptons organiser de formations, vous voyez, pour une mise à niveau. Nous comptons, parce qu'on dit lorsqu'on veut, on peut. Alors, pour apprendre la patience à ces jeunes, nous comptons organiser des formations, des ateliers, des conférences. Pourquoi pas inviter des personnes qui sont connues dans ces domaines-là, qui peuvent venir parler avec nous, discuter. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses que nous allons faire en attendant récolter ce que nous allons récolter. Madame Gracia Paula, vous savez que depuis les années 70, on parlait déjà en République démocratique du Congo de l'agriculture priorité des priorités. Alors cette priorité des priorités fait que nous puissions même importer les jus d'ananas, tout ça, pendant que ces ananas sont en train de moisir ici à Tchela, ici dans le bas-fleuve. Hein? Alors vous, avec ce projet que vous amenez avec toute votre jeunesse, alors j'aimerais reposer la même question autrement. Comment pensez-vous matérialiser ces projets? Bon, nous, comme j'avais dit avant, nous commençons d'abord par le moyen de bord. Bien que ce n'est pas facile de conserver, comme vous avez dit, il y a beaucoup d'ananas qui sont en train de Qui pourrir, il y pourrit a un là-bas. problème de conservation. Donc nous allons lancer un appel à toute personne qui peut nous aider dans ce sens, dans ce projet, à venir aussi, et ensemble nous allons voir comment et par quelles possibilités nous pouvons élargir ce projet, parce qu'il y a vraiment un problème de conservation, et ça nous le connaissons, mais si l'on croit et si l'on désire, on va arriver. Donc, lorsqu'on paie, on va arriver. Et donc, Je c'est cite par ça. exemple Nemwanda Nsemi, c'est quand même un notable au Congo central. Dans une interview, il avait déclaré que, en tout cas pour lui, nous n'avons pas beaucoup de vrais, de bons politiciens en République démocratique du Congo et qu'il faut vraiment un travail pour que nous puissions les avoir. Alors, vous qui faites les sciences politiques, vous êtes apparemment les bienvenus. C'est comme si le regard de tout un peuple est tourné vers vous pour relever un peu les défis, bien que pour conduire toute une nation, on a besoin de toutes les forces, de toutes les compétences. Mais c'est sur le plan politique qu'il a essayé un peu de décrier. Mais alors, vous, jeunes politiciens, vous terminez à l'université, vous vous lancez même dans cette carrière-là tout en étant assistante. Mais au lieu, par exemple, de mettre en place des projets qui puissent changer un peu la vision politique, la façon de gérer, comme on dit politique autrement. Mais vous préférez vraiment aller dans l'agriculture. Vraiment, comment pouvez-vous expliquer cela? La politique, c'est l'art de gérer. Alors, dans notre nation, nous ne pouvons pas seulement encourager au fait de jeunes à aller pour rédiger le lettre de demande d'emploi, mais aussi à créer. Parce qu'une société, une nation ne se développe pas seulement comme ça, par hasard, non. Il se développe lorsque cette jeunesse est capable de créer d'emplois, est capable de créer de sociétés. C'est alors que cette nation va se développer. Oui, je fais la politique, mais aussi, je suis plus dans l'angle agriculture parce que je crois que avec ça, comme le chef de l'État l'avait promis, avec ça, nous pouvons bien développer notre nation. Donc, avec l'agriculture, avec tout ce qu'il y a dans l'agriculture, je crois que notre nation va se développer et sera vraiment à la hauteur.
Donc c'est un peu ça. La politique n'exclut pas de créer des entreprises, de créer des emplois, parce que c'est vraiment là que notre nation va se développer. Donc si je comprends bien, dans tout ce que nous faisons, il y a une orientation, et comme on dit dans le langage vulgaire, il y a une politique. Donc si on peut avoir une bonne politique agricole, si on peut avoir une bonne politique en sport, ainsi de suite, ça va arranger les choses. C'est pourquoi vous, avec tout ce que vous avez comme bagage, comme matière, vous pensez que avec votre ONG OASBEL qui viendra, qui verra le jour un jour, avec tout ce que vous avez comme matière, bagage politique, vous pouvez booster justement cette agriculture. Oui, normalement, aujourd'hui, comme vous avez dit, si l'État pouvait créer de politiques publiques en ces matières que vous avez citées, je pense qu'il y aura vraiment notre pays va booster à un autre niveau. Je pense que aussi il faut qu'on considère cette jeunesse, ces jeunesses qui ne manquent pas de projets, de grands projets. Il faut vraiment tourner. J'invite vraiment le gouvernement, l'État congolais à tourner vraiment, parce que je commence déjà à voir ça, à tourner le regard vers le jeune qui ont de projets et ces projets-là qui vraiment apportera le développement de notre nation. Donc il faut vraiment des politiques publiques, mais aussi entre le public et le privé, il doit y avoir symbiose, et c'est ce qui fera que le développement puisse encore être dans notre nation. Voilà. Et l'autre domaine de l'agriculture, la pêche, l'élevage, ça ne vous intéresse pas? Comme j'ai dit, hormis l'agriculture, il y a la pêche, il y a l'élevage. Ça m'intéresse parce que il y a plusieurs personnes qui vraiment ne s'occupent pas de ça. Bon, auparavant, il y avait quand même, c'était vraiment, ces domaines, si je peux dire, ça souffrait vraiment d'une maladie. Donc, il y avait absence de gens. Mais à la lire ou vendre les choses, je commence à voir que ça a changé. Mais c'est plus maintenant dans ces domaines-là que nous devons mettre nos efforts, nos intelligences, afin que nos poissons d'ici, afin que tout ce que nous produisons ici, que nous puissions aussi l'exporter dans des pays autres que la RDC. Alors, il y a aussi autre chose que je voudrais souligner ici à l'intention de nos téléspectateurs. C'est le fait que vous êtes fille de notre confrère Emery Dimuela qui se bat pour la promotion culturelle dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il est un peu connu partout, mais il n'a pas d'héritier. Pourquoi n'avez-vous pas voulu booster aussi le secteur culturel, mais vous avez préféré ne pas faire comme papa? Non, mais dans chaque personne réside... si je peux dire, lui, il est appelé à faire ça. Moi, je suis appelée à faire autre chose que ça. Je ne peux pas vouloir faire ce que mon père a fait parce que ma carrière, je sais à quoi je suis appelée. Donc, ma passion, c'est dans ce que j'ai fait. Je ne peux pas suivre ce que mon père a fait, mais je dois faire ce que je suis forte à faire. Donc, c'est un peu ça. Alors, maintenant vous comptez implanter votre ONG qui doit aider les jeunes à aller vers une bonne agriculture à Kinshasa ou bien vous allez commencer au Congo central? Je vais commencer à Kinshasa, mais je compte après Kinshasa, je pense le faire d'abord au Congo central et puis l'élargir par la grâce de Dieu dans plusieurs provinces. Alors, vous ne cessez de parler en termes des moyens du bord. Ah, nous allons commencer avec les moyens du bord. Est-ce que vous avez ces moyens du bord ou bien vous en cherchez? Bon, nous avons, parce que même, je dis, avant de donner à une personne, il va demander ce que tu as. Nous avons quand même le peu que nous avons pour commencer, mais nous faisons appel à toute bonne personne, à toute personne qui aime le développement de cette nation, qui aime soutenir de projets, qui aime soutenir de personnes porteurs de projets, de nous contacter. Et nous serons vraiment très heureux de parler avec vous. Et s'il y a des choses encore que vous voulez ajouter sur ce projet, n'hésitez pas de nous contacter. Si je peux donner le numéro de téléphone, au plus 243 89 21 23 353. Plus 243
90 60 135 09. Voilà, ce sont là donc les numéros de contact pour qu'on puisse aider la jeunesse à aller de l'avant. Mais rentrons maintenant dans ce qui est, dans ce que vous faites déjà. Pour ceux qui ont des enfants trisomiques chez eux à la maison, alors pour vous contacter, c'est par le même numéro que vous avez donné? Oui, c'est par le même numéro, bien qu'à Kinshasa, notre siège est dans la scène du Palais du Peuple, derrière le... juste à côté, au fait, mais dans la scène du Palais du Peuple. Mais vous pouvez nous contacter par ce numéro et pour plus d'informations, nous allons converser avec vous. Mm-hmm. Donc, vous voulez insister aussi par rapport aux enfants trisomiques, tous ceux qui ont des enfants trisomiques chez eux à la maison, qui ne les qualifient pas de sorciers, tout ça, c'est une anomalie, et vous, vous êtes là pour les prendre en charge. Oui, et j'aimerais aussi ajouter que ces enfants ne sont pas de sorciers. Ces enfants ne sont pas moins que d'autres enfants. Il faut le considérer à leur juste valeur. Et même ces enfants qui vivent dans la rue, ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'ils ont trouvé ça et ils le vivent ainsi. Donc, il ne faut pas considérer ces enfants comme s'ils sont de moins enfants. Non, ils sont enfants comme tout autre enfant. Et ils ont droit de jouir de leurs devoirs et de ce qui leur est dû. Merci. Alors, un mot pour terminer notre numéro d'aujourd'hui, parce que nous étions très contents de recevoir une jeune dame qui fait les sciences politiques, mais qui s'intéresse à la santé, en même temps aussi à l'agriculture. Je suis vraiment honorée, je suis vraiment très heureuse d'avoir participé dans cette émission de l'Espace Santé, et je remercie vraiment, je vous remercie. Et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenue. Et merci vraiment. J'ai dit merci vu que je suis ici pendant un séjour. Je remercie aussi le gouvernement du Congo central. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont suivies. Je vous dis vraiment merci. Voilà, madame, monsieur, ça a été un plaisir pour nous de recevoir pour vous madame Grace Poula. Elle est donc étudiante en troisième cycle à l'Université de Kinshasa, mais également assistante dans la faculté des sciences politiques et administratives, toujours à l'Université de Kinshasa. Nous l'avons reçue pour nous parler de la trisomie 21 à travers leur ASBL, qui prend en charge justement ces enfants mal formés, qui sont considérés à tort dans la société comme des sorciers, comme des bisimbi, comme des moins que rien, alors qu'à la suivre, elle dit que voilà, ces enfants réfléchissent, elles ont tout simplement besoin d'être acceptées, d'être considérées dans la société, et elles, à travers leur ASBL, en tout cas, font ce travail-là pour redonner de l'espoir à ces enfants-là. Mais également, elle nous fait part de son projet, même si elle fait les sciences politiques et administratives, mais l'agriculture pour elle, c'est vraiment la priorité des priorités. Elle pense mettre en place dans les jours à venir une ONG qui va aider le jeune à embrasser l'agriculture pour les biens de notre pays, la République démocratique du Congo. Oui, j'aimerais aussi remercier ma consoeur qui s'appelle Aurélia Zimwangana. Je la remercie de là où aussi elle est. Sans oublier ton papa, Emery Dimwala, qui vous a conduit vers nous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement dans un autre numéro. Au revoir.